J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, on travaille, vous l'avez compris, l'excellent couleur Mentalo du très grand Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, ses textes très descriptifs avec sa musique toujours magnifiquement arrangée. Je vous ai fait deux versions. La version picking, celle que vous venez d'entendre, donc un petit peu dans le style d'Adi, mais très modestement parce que j'ai arrangé ça de manière, on va dire, réalisable. Il ne faut pas qu'il y ait trop de petites décorations, sinon ça va être compliqué à jouer. Et puis, je vais être honnête avec vous. Pour moi aussi, ça serait un petit peu trop compliqué. Donc, il faut que ça reste simple pour qu'on s'amuse à le jouer. Et une version super accessible, super simple, juste pour vous, les débutants ou vous qui avez envie de jouer quelque chose qui sonne et de très basique et de ne pas avoir besoin de 3-4 semaines pour l'apprendre. Pour la version picking, la version un petit peu dans le style d'Adi, vous avancez à cet endroit-là dans la vidéo. Vous allez trouver des tablatures comme d'habitude qui sont téléchargeables et j'ai énormément besoin de votre support. Donc je vous remercie par avance. Et pour la version facile, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant. Je vais donc vous jouer une première fois cette version simple au métronome, assez lentement pour que ça sonne clair et articulé. Si ça vous ennuie de l'écouter, vous avancez ici, on va directement au tutoriel. 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Donc pour jouer cette version facile, on ne va pas avoir besoin du capodastre, on ne va pas avoir besoin non plus de l'onglet, ça c'est totalement facultatif. On va avoir des motifs de noir et des motifs de croche et on va avoir beaucoup de pauses et de silence. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on va suivre les accords. Donc on va avoir des notes de la mélodie et les basses, elles vont suivre bien les basses des accords. Les notes de la mélodie et du chant vont démarrer avant la rentrée du premier accord au piano. Donc on a ces notes 0, 2, 1, 2, 1, et ça c'est le premier accord, le Fa, qui va être joué en fait avec simplement deux notes. Alors vous pouvez le jouer avec le pouce, première case, ou alors avec deux doigts comme ceci. Alors, pourquoi le pouce? Parce que dans la version en picking, moi je vais le faire comme ça, le Fa, vous m'avez vu le faire comme ça. Pour que ça fasse un compte juste sur la première mesure, j'ai fait simplement deux temps. Donc on a 1, 2 et... Et ensuite, ça démarre 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, vous allez laisser le doigt numéro 2 sur la case numéro 2. 2, 1, 2.
et vous revenez sur le 2 avec le doigt numéro 1 qui va être sur la grosse corde. Ça, il faut que ça dure. Donc vous allez, pour avoir cette note longue, utiliser ces deux doigts, les pincer comme ceci et essayer d'être le plus net possible pour que le son dure le plus longtemps possible. Ensuite, la mesure suivante, on a un soupir, donc ça fait un temps vide. Et ensuite, 2 et 3 et 4. Donc c'est en fait la même chose que ce qui a été vu précédemment, mais là, c'est pour passer sur le sol. Le sol, il va durer encore. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3 et 4. C'est une note plus longue, donc ces doigts 1 et 2. Et là, vous pouvez accrocher avec les doigts que vous voulez, pouce, index ou index et majeur. Ça va assez lentement, donc je pense que voilà, c'est pas trop un souci à ce niveau-là. Le La mineur, on va l'accrocher avec simplement un doigt et la corde à vide. Ensuite, le doigt numéro 3 sur la troisième case, assez simple. Essayez de suivre troisième doigt, troisième case. Très simple, double note. Et ensuite, vous reprenez la corde de sol et la corde de ré à vide et la corde de la avec la deuxième case. Donc ça, ça va être repris. Et on va avancer directement à la mesure numéro 16. On va avoir donc une pause qui va durer deux temps. 1, 2, 3, 4 et... Moi, je vais utiliser l'annulaire et le petit doigt. Si ce n'est pas confortable... Préférez la sécurité avec. Vous pouvez faire un demi-barré, vous allez être coincé hein, avec un barré si vous faites ça. Le son ne va pas durer, alors que là j'ai la basse qui dure si je le laisse en position, ce doigt numéro 3. 3, 3, 1. Et au niveau du timing, là ça va être un petit peu difficile puisque vous avez double note qui va durer deux temps. Donc ça va faire 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et. Encore une fois, 1, 2, 3 et 4, et 1, 2, 3 et 4. Il faut bien comprendre qu'ici j'ai mis des soupirs pour que ce soit plus facile à lire, mais vous allez essayer de faire durer toutes les notes le plus longtemps possible. Si j'avais mis des syncopes et des liaisons, ça aurait été compliqué de déchiffrer cette tablature, vous auriez eu beaucoup de signes qui auraient apporté de la confusion. Donc c'est par souci de clarté, et de facilité que j'ai mis toutes ces pauses et tous ces soupirs. Mais musicalement, ce n'est pas correct. Il aurait fallu mettre des notes qui durent plus longtemps et qui dépassent des mesures. Mesure numéro 19, ça va être un si mineur qui va être joué en dyade, ça veut dire simplement avec deux notes. Vous pouvez le prendre avec le doigt 1 et 3. Ça va durer 3 temps, puisque là, vous avez une blanche pointée. 1, 2, 3, 4, et... Ensuite, le mi-7. Assez simple, hein, le doigt numéro 3 reste en position. Le fa, je préfère le prendre franchement avec deux doigts, mais vous pouvez utiliser un seul doigt si vous voulez. Pour que ça dure, en fait. Le doigt numéro 2, il est prêt pour la deuxième case. Donc, corde de si à vide avec la troisième case. Alors là, c'est un peu spécial puisque ça va démarrer direct sur le quatrième temps, cette double note, et il faut vraiment la faire déborder sur la mesure d'après. Donc la mesure numéro 25, ça va faire 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4. Et là encore, vous allez laisser durer. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, donc, ça va reprendre ce thème-là jusqu'à la fin. Et ça va être assez simple. Je pense que vous allez vous en sortir. J'en profite pour vous rappeler que sur la chaîne Roue Guitare, il y a plein d'autres tutoriels guitare picking dans ce style-là. Donc si c'est le style qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne car vous allez retrouver dans le futur d'autres tutoriels et je prépare des trucs super sympas. Je vous en dis pas plus, mais franchement, oui, je travaille sur des tutos picking qui sont vraiment au top.
Donc l'abonnement, évidemment, il est gratuit. C'est juste pour que vous soyez informé que la prochaine vidéo est en ligne, elle est à votre disposition. Pour la version picking, on va le jouer sans le capot d'astre. Je le joue avec le capot d'astre en fait pour ajouter une petite couleur et faire ressortir des sonorités peut-être de cette guitare un petit peu différente, peut-être avoir un côté un petit peu bluesy, donc ça fonctionne très bien avec cette guitare qui a un corps un petit peu plus petit. Vous êtes libre de le jouer de la manière dont vous le voulez. La version sans capot d'astre correspond en fait à la hauteur avec laquelle le disque est enregistré, donc c'est en fa sur le premier accord. Donc si vous voulez suivre la version d'Eddie Mitchell, vous n'avez pas besoin de capot d'astre. Donc c'est vraiment par choix artistique que j'ai décidé de changer. C'est totalement arbitraire et assumé. Comme souvent dans ce type de pièce musicale, entre guillemets, les premières notes ne sont pas sur le premier temps de la mesure. C'est-à-dire que vous avez une mesure qui est vide et ensuite, donc lui amène, vous entendez en fait sa voix, les premières paroles démarre avant que le piano pose les premiers accords. Les premiers accords, c'est le premier accord, je ne vais pas faire la liaison avec le S, c'est le Fa. Et ce Fa majeur, je vous conseille franchement de le prendre avec le pouce, il va remplir la mesure avec 1 et 2 et 3 et 4 et... C'est la manière dont je le conçois, vous pouvez bien sûr utiliser votre barré classique. Donc placez bien votre pouce sur la première case. Alors vous allez voir avec le capot d'astre, ça va être un petit peu plus facile. Il n'y aura pas besoin d'écarter autant les doigts. Et cette basse va être jouée donc sur le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc ça va donner avec l'intro. On laisse les doigts appuyés, on les laisse en position, on rajoute le pouce et l'annulaire. Ensuite, donc, vous allez avoir ces motifs en double croche. Ta, 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 ta. Donc, sur le troisième temps, ça va faire 1, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 3, 4, 1, 2, 3. On passe au motif en sol. On va pouvoir se reposer un petit peu. J'ai aménagé de l'espace où vous avez la double note. Et toujours donc cette mesure qui est remplie avec la basse 1 et 2 et 3 et 4 et. On va avoir le même type sur le troisième temps de double note. Et ensuite on passe au La mineur. Donc là, vous reprenez votre position habituelle. Il va y avoir un petit remplissage. Donc ça va faire 1, 2, 3 et 4 et 1, 2. Encore une fois. Donc la double note. 1, 2. Et là, vous avez ce remplissage. Cette fois-ci, on a la basse alternée qui fait 5, 4, 6, 4. Et ensuite, il y a le changement d'accord sur le sol. Donc là, c'est le... Donc cette mesure 44, il y a le remplissage encore. 1 et 2. Avec la basse 5, 4, 6, 4. On revient donc sur le motif en Fa. Petit remplissage, on change pas de position, et là c'est un petit peu plus rempli, le sol, et donc le passage en sol, donc là vous allez faire un pull-off, c'est beaucoup plus facile. Avec la basse et le La mineur. On va rajouter donc ici la troisième note en fait qui va venir sur l'accord suivant, le Si mineur. Donc c'est le plus difficile celui-là. Il va falloir en fait faire la basse
avec la corde à vide si et le doigt numéro 1 qui va faire le hammer-on. 1 et 2. Quatrième case avec à vide. Donc on lève le doigt. Et donc cette troisième case, vous êtes obligé de changer votre position et de venir sur un mi-7. 4 et 4. Ensuite, le Fa, il ne devrait pas poser de difficulté. 1 et 2 3 et 4. Là, je vais faire un pull-off pour simplifier en fait, parce que les doigts sont quand même assez occupés côté main droite. Ça, c'est assez facile, cette mesure-là. 1 et 2 et 3 et 4 et... Et on arrive sur le Do. 1 et 2 et 3 et 4 et... On revient sur le Si mineur, donc c'est la même chose. On passe tout de suite au mi-7 et le Fa. Et donc ça va revenir à peu près au même motif. On va faire tourner ça en boucle. Et ensuite on a la fin. Donc là c'est assez facile, vous avez juste à lever les doigts en fait. Le La mineur, vous allez l'accrocher comme ça, simplement deux cordes, mais vous allez tenir un La mineur à vide. On remet tous les doigts. Donc vous pouvez jouer comme ça. Et comme c'est que de l'accroche, je pense que c'est facile. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Donc je pense que vous allez vous en sortir. Si vous avez déjà le début, la fin, ça va être vraiment une formalité. Je vous rappelle que les tablatures sont disponibles au format Guitar Pro et PDF. Alors sur le Guitar Pro, vous allez pouvoir ralentir la vitesse de lecture et vous avez les deux versions. Vous avez la version facile et vous avez la version en picking. Je vous remercie énormément de votre support. Si ce tutoriel vous a plu, eh bien vous vous abonnez à la chaîne Roue Guitare. Vous savez, il y a plein de tutos picking sur cette chaîne et j'essaye au fur et à mesure que ça avance de vous en proposer encore et toujours plus. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit arrangement et puis vous me faites vos propositions. Alors évidemment, sur les 10 propositions que vous m'envoyez, c'est pas toujours possible de les réaliser, mais ça me donne des idées et vous avez souvent des très bonnes suggestions de morceaux à faire, à couvrir en picking, puisque côté francophone, eh bien c'est un style qui est un petit peu laissé de côté. Alors ça va venir progressivement. J'espère que cette chaîne va inspirer d'autres guitaristes à se plonger, à s'intéresser au sujet. Allez, j'ai trop parlé. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.